Jésus est là. Jesus is here. Il a dit à ses disciples, he told his disciples, je suis avec vous. I am with you. Tous les jours. Always. Jusqu'à la fin du monde. Till the end of age. Quand Dieu décide de bénir, when God decides to bless, il te guérit même de tes faiblesses. He heals you even from your weaknesses. Les incrédules auront la foi. The unbelievers will have faith. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tu auras la foi. You will have faith. Même si tu n'as jamais cru. Even if you've never believed. Tu vas croire. You will believe. Et ça sera l'œuvre de Dieu. And it will be the work of God. Il va faire ça pour sa gloire. He will do it for his glory. Il a dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle sur la terre. Yes, he said, I'm at the point of doing a new thing on the earth. Il a dit aux enfants d'Israël, je veux me révéler même à ceux qui ne me cherchaient pas. He told the children of Israel, I'll reveal myself even to those who did not seek me. Ils vont me connaître. They would know me. Même si tu as le doute. Even if you are in doubt. Comme ton frère jumeau. As your twin brother. Tu seras délivré. You will be delivered. Tu auras la foi. You have faith. Il y aura divorce. There will be a divorce. Avec le doute. With doubt. Avec les incertitudes. With uncertainty. Bénis le Seigneur. Bless the Lord. Prions ensemble. Let's pray together. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Beloved. Nous sommes déjà de plein pied dans la croisade 2019. We are already into the 2019 crusade. Croisade consacrée au renversement des principautés personnelles et familiales. The crusade dedicated to the overthrow of personal and family principalities. Le but ultime de cette croisade étant le salut de nos familles. The ultimate goal of this crusade being the salvation of our families. Chaque saint doit prendre des dispositions personnelles pour prier chaque jour, suppliant le Seigneur d'accorder à sa famille le salut en Jésus-Christ. Every saint must take upon himself the personal disposition to intercede every day for his family to have the salvation from the Lord Jesus Christ. D'accorder à sa famille la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. For him to grant to our families the revelation of the Lord Jesus Christ. Une révélation qui les conduise à une foi authentique en Jésus. A revelation that leads them to genuine faith in Jesus. À la repentance envers Dieu. To repentance towards God. Et à la conversion à Dieu. And to conversion towards God. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. With the practice of works worthy of repentance. Les combats spirituels sont organisés pendant la croisade. Spiritual warfare is organized during the crusade. Et cela dans chaque localité. And this in every locality. Il s'agit en somme d'obéir à la parole qui demande que les saints fassent chaque jour toutes sortes de prières. As a whole, the goal is to make sure that the saints, in obedience to the command, do all kinds of prayers, carry out all kinds of prayers. Ainsi, il y aura. Therefore, there will be des prières de repentance. There will be prayers for repentance. Des prières de supplication. Prayers for supplication. Des proclamations prophétiques. Prophetic proclamations. Des brisements des liens malsains de famille. The breaking of unhealthy family ties. Des brisements des liens de malédiction. The breaking of ties of curses. Le brisement des liens d'occultisme. The breaking of bonds of occultism. Le brisement des liens héréditaires. The breaking of hereditary ties. Les démons seront chassés. Demons will be cast out. Les forteresses seront démolies. Strongholds will be demolished. Les prisons seront cassées. Prisons will be broken. Et les captifs seront libérés. And captives will be set free. Les tombes seront ouvertes. Graves will be opened. Les cercueils seront cassés. And coffins will be broken. Les cœurs des saints seront ramenés à l'Éternel dans la joie. The hearts of the saints will be brought back to the Lord in joy. Il y aura des restaurations dans la consécration. There will be restoration and consecration. Consécration dans le service. Consecration to service. Consécration au ministère de l'Évangile. Consecration to the ministry of the gospel. Le Seigneur sera adoré en esprit et en vérité. All will be worshipped in spirit and in truth. Les pécheurs vont tomber amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Sinners will fall in love with the Lord Jesus Christ. Les ennemis des saints seront dispersés.
The enemies of the saints will be dispersed. Et l'orgueil des méchants sera brisé. And the pride of the wicked will be broken. Et les puissances des ténèbres seront anéanties. And the powers of darkness will be brought to naught. Et chaque jour, may every day, les saints crient à Dieu et disent, saints should cry out to God and say, Père, exauce-nous. Father, answer us. Père, agis pour nous sur la terre. Father, act for us on the earth. Père, agis pour nous sous la terre. Father, act for us under the earth. Père, agis pour nous dans les lieux célestes. Father, act for us in the heavenly places. Père, agis pour nous dans les eaux. Father, act for us in the waters. Dans les lieux plus bas que les eaux. In the places under the waters. Père, agis pour nous dans les mers. Father, act for us in the seas. Dans le séjour des morts. In Hades. Dans les forteresses. In strongholds. Dans les forêts sacrées. In sacred forests. Dans les abîmes. In the abyss. Dans les déserts. In deserts. Dans les collines. In on hills. Dans les montagnes. On the mountains. Dans les rochers. In rocks. Qu'ils crient et qu'ils disent. May they cry out and say, Seigneur, oh, c'est toi. You are the one. Le seul vrai Dieu. Who is the only true God? Créateur du ciel et de la terre. The creator of the heaven and the earth. Que les saints crient et disent. May they cry out and say, Éternel, oh Lord, qu'il n'y ait pas de système qui tienne contre nous. May there be no system that stands against que us. Que chacun crie et dise. May everyone cry out and say, Seigneur, Lord, que les monstres soient écrasés et anéantis. May the monsters be crushed. Éternel, que tout le système existant contre nous rencontre ta colère. Oh Lord, may all the systems against us meet your anger. Qu'ils rencontrent ton adversité. May they meet your adversity. Selon qu'il est écrit. As it is written. Mais si tu écoutes sa voix, if you listen to his voice, et si tu fais tout ce que je te dirai, and if you do all that I say, je serai l'ennemi de tes ennemis. I'll be enemy of your enemies. L'adversaire de tes adversaires. The adversary of your adversaries. Alléluia. Alléluia. Et remarquons une chose. Let us remark this. Quand Dieu devait délivrer David, when God wanted to deliver David, il a agi dans les eaux. He acted in the waters. Et David rend témoignage. And the Bible renders testimony. Il dit, il me délivra des grandes eaux. He said he delivered me from the waters. Le Seigneur va te sortir de là où tu te trouves. The Lord will take you out from where you were found. Tu seras libre. You'll be free. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for the Lord Jesus Christ. Proclame que le Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Proclame qu'il est le Tout-Puissant. Dis tout ce que tu sais de lui. Proclaim that the Lord is the Lord of the heaven and the earth. That is the Almighty. Proclaim everything that comes to your heart to say. Père, tu es grand, tu es roi, tu es élevé, tu es souverain, you are tu es great, puissant, you are king. Tu as créé le ciel et la terre. Nous ne pouvons tenir devant toi. Les impies ne peuvent tenir devant toi. Les méchants ne peuvent tenir devant toi. Parle au Seigneur. Speak to the Lord. Et dis-lui. And tell him, Seigneur. Lord, nous sommes là. We are here. Viens. Come. Et combat pour nous. And fight for us. Dis-lui. Tell him. Nous savons que tu es là. We know that you are here. Mais nous parlons. But we are speaking. Nous prions. We are praying. Afin que nos cœurs soient réchauffés. So that our hearts will be set aflame. So that our hearts will be set aflame. Que ton nom soit élevé au milieu de nous. So that your name will be exalted in our midst. Nous ne voulons pas prendre ta présence pour acquis. We don't want to take your presence for granted. Viens avec nous. Come with us. Viens avec nous. Come with us. Prions ensemble. Let's pray together. Père, viens avec nous. Father, come with us. Oh Père. Oh Father. Viens avec nous. Come with us. Nous savons que tu es là. We know that you are here. Et nous voulons que nos cœurs soient enflammés. And we want our hearts to be set ablaze. Par ta présence. By your presence. Par le culte en ton Saint-Nom. Par le culte en ton Saint-Nom. By our Christ, your holy name. Oh, rakabagajuru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 bag
Et quand nous crions ensemble à l'intérieur du pays, when we cry out together, Lord bless. Et dans chaque nation, and in every nation, où tes enfants sont devant ta face, where your children are before you, pour la libération de leurs familles, for the liberation of their families. Exauce, ô Père. Answer, ô Father. Continue à prier. Continue to pray. Uru bakashara bakala bakashir gala bakashar gala bakashur gala bakashar uru bakashir gala bakashar gala bakashur gala bakashar gala uru gala bakashur gala bakashar gala bakashur gala bakashur gala bakashur gala bakashur gala bakashur gala bakashar gala bakashur gala bakashur gala bakashur gala bakashur gala bakashar gala bakashur 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 gala. Bring us peace to warfare. Exerce notre pensée au combat. Bring us a cause to warfare. Continue à prier. Continue to pray. La 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 exerce notre discernement au combat. Bring our discernment to warfare. Exerce notre discernement au combat. Bring our discernment to warfare. Dieu Père. So, Father. Donne-nous des visions pour un combat efficace. Bring us to fight and effective. Dieu Père. So, Father. Donne-nous des visions pour un combat efficace. Give us visions for effective warfare. Donne-nous des prophéties pour un combat efficace. Give us prophecies for effective warfare. Donne-nous des révélations pour un combat efficace. Give us wisdom for effective warfare. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père, donne-nous des témoignages. Give us testimonies. Pour un combat efficace. For effective warfare. Donne-nous des témoignages. Give us testimonies. Pour un combat efficace. For effective warfare. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père. Oh, Father. Donne-nous des exhortations pour un combat efficace. Give us exhortations for effective warfare. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père. Oh, Father. Oh, Père. Oh, Father. Donne-nous la communion fraternelle propice au combat efficace. Give us the brotherly fellowship needed for effective warfare. Continue à prier. Continue to pray. Dieu Père, oh Father, donne-nous de nous approcher de toi avec des cœurs sincères. Grant us the grace to get close to you with sincere hearts. Continue à prier. Continue to pray. Amen. Amen. Applaudissons pour Jésus. Let us clap to Jesus Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Si tu as un témoignage, un vrai témoignage. If you have a real testimony. Les témoignages ne sont pas des parenthèses. Testimonies are not parentheses. C'est une arme de combat. They are weapons of warfare. C'est un instrument d'adoration. Instruments of worship. C'est un instrument de louange. It's an instrument of praise. Alléluia. Alléluia. Si tu as un témoignage, lève la main. If you have a testimony, raise your hand. Venez. Come. Et exalte le nom de ton Dieu.
And I exalt the name of your God. Le nom de ton père. The name of your father. Ne sois pas lâche et ne crains pas les hommes. Do not be a coward and do not fear men. Ne cache pas la gloire de Dieu. Do not hide the glory of God. Même si tu trembles, rends témoignage en tremblant. Even if you tremble, render your testimony while trembling. Ton père sera glorifié. Your father will be glorified. La première personne. Je voudrais rendre gloire à Dieu qui a délivré et guéri mon épouse d'une maladie dangereuse. En effet, c'est en février que j'ai quitté l'intérieur du pays pour venir habiter ici aux Deux Plateaux. En février, pendant qu'on était là, elle a commencé à tousser juste un peu. Et le fait de tousser n'était pas assez alarmant pour que je puisse l'emmener à l'hôpital. Donc je me disais que c'était quelque chose de passager. Et je signale qu'elle est enceinte. Elle tout saute. Maintenant, c'est le sang qui sort juste un peu. Donc, j'ai observé sur quelques jours. Après, je l'ai envoyé à l'hôpital. Le gynéco nous a prescrit des médicaments qu'on a achetés. Mais le sang commençait maintenant à venir de façon un peu plus, de façon un peu plus grande. Et je ne comprenais plus. On retourne chez le gynéco. Il nous avait dressé une liste de médicaments même que je m'apprêtais à acheter lorsque tout a dégénéré. Nous sommes d'abord partis à la Compassion. De la Compassion, ça s'était calmé un peu. Je devais aller rencontrer quelqu'un qui venait de la France. Sur la route, non, à la veille même, on me dit que à la Compassion, déjà, ça ne va pas. Que de venir rapidement. À ce moment, il était, on dirait, 1h ou 2h du matin. Donc le lendemain, le temps d'arriver à la Compassion, une sœur l'avait déjà dépêché sur le CHU de Cocody. Et on l'a transféré aux urgences. Aux urgences, quand je suis allé trouver ma femme, son aspect déjà avait changé. Elle est claire, mais là, elle avait noirci. Je ne comprenais pas. Elle maigrissait, elle vomissait. Avant qu'on ne quitte la maison pour aller à la Compassion, je vous signale que les toilettes étaient remplies de sang. La cuvette, elle était débordée. Et les toilettes, même dans les... Tu ne peux pas regarder dedans. Donc, au fait, c'est des choses qui étaient terribles pour moi. Et on s'est mariés en 2017, en fin 2017. Et je trouve ma femme comme ça, qui est en train de partir. Bon, j'étais vraiment secoué, ma foi était très secouée. Et j'avais un temps appelé maman Tala, qui m'avait dit de rendre grâce. Non, cette femme est très forte. J'ai dit, mais comment dans de telles périodes, dans une telle situation, elle dit rends grâce. Dis Seigneur, merci pour le sang, merci pour ma femme qui est en train de... J'ai dit Seigneur, merci pour le sang, merci. Jésus-Christ. C'était pas facile. Pendant la période, c'était pas facile. Mais j'ai obéissé seulement. Parce que j'ai appris que la sanctification ne vaut rien sans l'obéissance. Donc j'obéissais seulement. Je disais, mais c'est dur, mais il faut dire merci à Dieu. Et aux urgences, là, c'était très compliqué. Les premières analyses ont donné que un de ses poumons était abîmé, complètement abîmé. Et je ne comprenais pas. Il fallait acheter les médicaments. On achète, mais la situation ne s'arrange pas. Après, par la grâce de Dieu, on nous a expédié au PPH, au 12e. Quand nous sommes arrivés au 12e, il fallait porter les bavettes. Mais devant la situation, j'oubliais même de porter les bavettes pour pouvoir m'occuper de mon épouse. Et c'est comme ça que... Et il faut dire que j'ai remarqué qu'au CHU, les gens mouraient plus au 12e que dans les autres services. Je ne fais pas l'éloge de la mort. Mais je suis en train de donner un constat. C'est-à-dire que c'était au 12e qu'on entendait plus de pleurs à la maternité et puis aux urgences. Je ne comprenais pas. Dans notre salle, quand on est arrivé, ça n'a pas duré. L'autre qui était là, elle est décédée. Mais je continuais. Et j'avais demandé un signe à Dieu. Quand on était aux urgences, j'ai dit, Seigneur, cette situation,
je ne la comprends pas. Mais je te demande un seul signe. Tout ce que tu vas me dire, je sais que tu vas parler à mon cœur. Je vais appeler le pasteur Meunier. C'est lui qui est notre dirigeant principal en Côte d'Ivoire ici. S'il me décroche et qu'il prie pour mon épouse, je sais déjà que la vie est là et qu'elle ne va pas mourir. Donc, j'étais aux urgences. J'ai appelé le pasteur Meunier. J'ai prié d'abord dans mon cœur. J'ai dit que ta volonté seule se fasse. J'ai appelé le pasteur Meunier. Très occupé, mais ce jour-là, le pasteur Meunier a décroché. Gloire à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il a décroché. Et dès que je lui ai parlé de mon épouse, il a prié pour mon épouse. Il a prié au téléphone. Dans mon cœur, pendant qu'il priait, je recevais qu'il fallait rester maintenant dans le repos. Il fallait rester dans le repos. Mais j'ai vu clairement que c'était deux forces opposées. La force de l'Église opposée à la force des ténèbres. C'était un combat terrible. Le médecin m'a dit clairement que quand je suis allé le voir pour connaître un peu l'évolution de la santé, il dit que ta femme peut mourir à tout moment. C'est ce qu'il m'avait dit. Je ne comprenais pas. Mais quand il a dit ça, comme j'avais déjà l'assurance que la mort ne sera jamais la dernière parole et que Jésus-Christ est Seigneur, il a assis sur son trône, je continuais de combattre. Le groupe de brisement des lions auquel j'appartiens s'est dépêché pour aller sur le lieu à plusieurs reprises. Et la première fois que le groupe de brisement des lions venait, le père de mon épouse était là. Lui, il a quitté les Divo pour venir. Lui, il est venu proclamer la mort. L'équipe de brisement des liens et moi, on a proclamé la vie. On a dit qu'elle va vivre. Elle va vivre. Et par la grâce du Seigneur, mon épouse aujourd'hui vit. On est arrivé à la maison. La première semaine, on a observé ça. Après, j'ai dit non. Non. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Aujourd'hui, chère madame, vous vous levez, vous allez au salon. Vous marchez un peu. Elle dit, mais le message, il dit, aujourd'hui, vous marchez. Je suis le frère Zoro Michel. Mon fils de disciple est le pasteur Basile Nyoncian. Quand je suis rentré dans cette église en 2016-2017, j'étais un chômeur. Oui, un chômeur endurci. Jésus-Christ. Et après mon premier renversement des principautés, j'ai demandé du travail, pas n'importe quel travail, je l'ai dit ici. Et j'ai été recruté comme fonctionnaire de l'État. Jésus-Christ. J'ai rendu ce témoignage ici. Et le témoignage que je vais vous rendre aujourd'hui, c'est que le 6 de ce mois, une liste a été dressée là où je travaille. Moi, mon salaire est viré à la SGBCI. Une liste a été dressée pour dire que environ 57 personnes
vous devez partir. Moi, je ne savais pas. Moi, je me rendais au village. Lorsque j'ai fait un tour au service, mes collègues me disent, est-ce que tu as été viré? J'ai dit non. Il dit, fais la photocopie de ta pièce d'identité, monte à la comptabilité. Ton nom doit être sur cette liste. Je monte effectivement, mon nom est sur la liste et on me paye main à main. J'appelle le pasteur Frédéric Zoro. Je lui dis, voici la situation. Il m'a demandé, est-ce que tu es dans le repos? Bien évidemment, je n'étais pas dans le repos. Je lui ai dit non. Acclamons pour Jésus-Christ. Alors, le pasteur Zoro me dit, là où tu es, assieds-toi là et invoque Jésus-Christ. Prie. Je regarde, je vois une chaise qui était presque gâtée. Je me suis assis sur la chaise. Je me suis repenti et j'ai prié. Et le pasteur m'a demandé d'annuler mon voyage sur le village, d'aller prier. Et j'ai annulé mon voyage, je suis allé à la maison et j'ai prié. Le lendemain, il n'y a plus d'autres nouvelles et il m'a dit, faut partir. Ça, c'est le 6. Le 6 juin, deux semaines, trois semaines après, la liste est reconduite et on renvoie toutes les personnes et Jésus-Christ enlève mon nom sur la liste. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. J'ai couru, je ne vous dis pas le nom de l'institution où je travaille. J'ai couru de là-bas, je suis venu au temple. Je suis rentré chez papa Boniface Meunier. J'ai pleuré dans sa main. Il a prié pour moi. Je voudrais rendre gloire à Dieu parce que Jésus-Christ, il est vraiment réel et il est vivant. Je suis la sœur Bakayoko Nzata, mon fidèle disciple, c'est le pasteur Tiade Junior. Je veux bénir le nom du Seigneur parce qu'il m'a guéri miraculeusement. Frère, depuis un certain moment, j'avais commencé à m'enfler. Je ne savais pas ce que j'avais. Gonflé partout, partout. Je suis partie chez nous à l'hôpital où je travaille. On m'a donné un papier pour aller faire examen. Quand je suis allée faire les examens, je suis venue donner au médecin. Maintenant, le médecin qui me suivait, quand il a regardé, il n'a pas voulu m'annoncer ce que j'avais et il m'a envoyé sur le médecin chef. Lui aussi, il a regardé, il ne m'a rien dit. Il dit de retourner chez le même médecin et il a fait des ordonnances. Il a remis au monsieur de me donner. Et quand je suis partie, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai? Vous êtes en train de bouder, dites-moi ce que j'ai. Il dit, vraiment, ton foie a pris un coup. Et ça y est, entre autres, ça a pris un coup et puis ça s'est enflé. Donc c'est ce que tu as. Mais ce n'est pas grave, on va te traiter. Il a commencé à me consoler, frère. Mon moral était cassé. Je n'avais plus le moral. Et c'est ainsi que il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a donné des ordonnances qui ne passent même pas sur le bon, très cher. Il dit de payer, de commencer. Et c'est ce que j'ai acheté, je prenais les médicaments. Mais quand je suis arrivée à la maison, il a dit, mais Seigneur, guéris-moi. Qu'est-ce que j'ai? Guéris-moi. Mais je priais, je prenais les médicaments, mais il n'y avait pas d'amélioration. J'avais peur, mon moral était cassé. Je commençais à avoir mal de jour en jour. Et c'est ainsi que le mercredi passé, j'ai dit, bon, comme c'est ça, arrivé au temple, après l'enseignement, je vais passer voir papa Meunier, il va prier pour moi. Il a dit, je sais que si lui prie pour moi, le Seigneur va m'accorder la guérison. Papa n'était pas avec nous. C'est l'ancien Doua Saï qui était là. Il a dit, bon, ok, après la veille, je vais aller voir l'ancien Doua Saï. Il va prier pour moi. Après la veille aussi, il a prié pour tout le monde. Pendant qu'il priait, il a dit, bon, c'est pas grave. Il a dit, c'est que pendant le renversement des principautés, le Seigneur va me guérir. Mais après, je me suis assise, il a dit, mais s'il peut le faire, il peut le faire maintenant. Pourquoi c'est pendant le renversement des principautés que le Seigneur va me guérir? Acclamons pour Jésus-Christ.
J'étais assise là, il a dit, ok Seigneur, moi je suis guérie. Et j'étais assise là-bas, il a dit ça, il a dit, je sais que je suis guérie, je sais que tu m'as guérie. C'est ainsi qu'après la veille, le jeudi matin, je suis partie à la maison. Arrivée au sable, bon, comme je voulais prendre mes médicaments tôt, il y a une femme qui vendait la galette à 5 heures, je crois, avec lui. J'ai acheté ça, je suis allée boire et puis j'ai pris mes médicaments. Frère, quand j'ai fini de prendre mes médicaments, je sens que ce n'était pas mon cœur. Mais il y a quelque chose en moi qui bougeait et je voyais cela bouger. Ça bougeait tellement fort que j'avais peur. Il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est le moment qui est arrivé, ou bien je vais au ciel maintenant, je ne sais pas. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Donc je suis allée me coucher. Quand je me suis couchée, ça persistait. Et j'ai commencé à prier, je me suis endormie, frère. Quand je me suis endormie, je fais un songe où je teste dans un cas. Et quand on était nombreux, mais personne ne causait avec son ami. On était dans l'obscurité totale. Personne ne causait avec son ami. Mais on était dans le cas, on partait. Je ne savais pas où je partais. On ne savait pas. Tout le monde, nous sommes là. Personne, en tout cas, chacun est concentré. On ne sait pas où on va, mais on est dedans. Et on partait comme ça. Arrivé dans un coin, l'apprenti, j'ai vu l'apprenti, j'ai vu tout son corps, mais je ne voyais pas son visage. Il y avait un apprenti dans le car. Je n'ai pas vu son visage, mais je voyais tout son corps. Arrivé dans un coin, l'apprenti me dit, toi, descends. Acclamons pour Jésus-Christ. Jésus n'a pas changé. Quand il m'a dit de descendre, j'étais vraiment étonné. Il a dit, moi, il dit, je dis, toi, descends. Frère, j'ai obéi, je suis descendu. Mais j'ai bien vu le monsieur, mais je ne voyais pas son visage. Et quand je suis descendu, pendant que je descendais maintenant, c'est là, il y a une dame dans la voiture qui m'a fait comme ça. Elle dit au revoir et puis elle souriait. Donc, quand je suis descendu, l'apprenti s'est apprêté à côté de moi. Il m'a donné un liquide dans une assiette. Il dit, il faut boire. La maladie que tu as, voici son médicament. Il faut boire. Jésus-Christ. Frère, c'était le jeudi passé. Et quand j'ai bu le médicament, quand je me suis réveillée, j'ai appelé mes petites soeurs. J'ai dit, le Seigneur m'a guéri. Elles m'ont demandé, il y a quoi? J'ai rendu le témoignage. J'ai dit, je sais que le Seigneur m'a guéri. Frère, pendant la maladie, je ne pouvais plus manger l'huile. Je ne mangeais plus de sel. De qui m'agit? Je bois seulement que de l'eau minérale. Je ne, vraiment, il y avait beaucoup de totems. Je dis, mais chaque fois, je dois acheter de l'eau comme ça. Je dis, ça, c'est un budget. Et vraiment, quand j'ai dit ça à ma petite soeur, je dis, le Seigneur m'a guéri. Quand on a fini de rendre grâce à Dieu, le lendemain, vendredi, je suis reparti prendre l'examen, le deuxième examen. Je suis parti montrer au même médecin qui m'avait dit de ne rien manger. Il m'a dit, tu es guéri, tu n'as rien. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Je lui ai demandé, j'ai dit, docteur, c'est pour moi. J'ai dit, je suis allé prendre. Il faut regarder, c'est vrai. Il dit, mais tu n'as rien. Il dit, si la maladie persistait, où tu travailles là, on allait t'enlever là-bas parce que je travaille à l'ordinaire du GESPM. Il dit, on allait t'enlever là-bas parce que c'est très contagieux. Mais tu n'as rien. Il dit, donc je fais comment? Il me dit, tu peux tout manger. J'ai dit, bien tout manger. Tu n'as rien. Jésus-Christ. Tu te portes bien. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Merci papa. Frère, je veux rendre gloire à Dieu. Parce que mon moral était bas. À tous ceux que j'expliquais, on me demandait si je buvais l'alcool ou bien je fumais. J'ai dit, mais je vais boire ça où? Je vais fumer où? On dit, mais pourquoi tu as cette maladie? Que cette maladie tue? Mais moi, mon père que je connais, Jésus-Christ m'a délivré. Il m'a guéri. Que ton nom soit béni. Jésus. Oh, Père, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté pendant des siècles et des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Aminata Ombléon et mon faiseur de disciples, c'est la sœur Colette Meunier. Je voulais rendre grâce à Dieu
pour la grâce qu'il m'a fait au renversement de principauté 2018. Alléluia. Je suis mariée et mon époux et moi, nous avons 4 enfants, mais ils sont tous filles. Et renversement de principauté 2018, je venais, j'étais enceinte. Alléluia. Et je voulais que Dieu me donne un garçon. Et je suis venue aussi au renversement de principauté 2018. Dieu m'a donné aussi un garçon. Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, je voulais être finement reconnaissante à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis la sœur Mfortessa et mon faisait de disciples, c'est la sœur Colette Meunier. J'adore la Riviera chez l'info. Je vais être infiniment reconnaissant à Dieu pour parce qu'il a exaucé une de mes sujets pendant le renversement des principautés l'année passée. Le Seigneur qui écoute nos prières m'a guéri. Amen. Amen. L'année 2017, quand je devais accoucher, et comme c'était prévu par la césarienne, je devais faire certains examens préalables avant l'accouchement. Et cet examen, parmi cet examen, il y avait le ECG dedans. Quand j'ai fait le ECG, l'échographie du cœur, on ne m'a pas remis le résultat et je suis partie accoucher sain et sauf. Après, j'ai demandé le résultat, mais mon gynécologue ne m'a pas remis. Des mois après, j'ai commencé à avoir des palpitations. Donc, c'était très fort que je suis partie à l'hôpital pour me faire examiner. Et quand je suis partie à l'hôpital, on a refait un autre ECG et c'est montré qu'il y avait une partie de mon cœur qui avait grossi. Je ne sais pas comment on appelle ça dans le terme médical. Et tous les autres examens qu'on m'a demandé à faire après, l'examen du sang, le radio, tout montrait qu'il n'y avait pas un problème. Mais sauf le ECG qui montrait que mon cœur avait grossi. Et après, je suis partie voir la sœur Carole. Et elle m'avait demandé de faire un autre examen pour voir si j'avais problème de tension. Ça aussi, c'était bon, il n'avait pas un problème de tension. C'est le juin, on avait un programme dans notre zone pour trois jours de jeûne et prière pour la guérison, pour les frères qui sont malades. Et je suis rendue dans je me suis lancée dans ce programme. Je suis rentrée dans ce programme, mais pas avec le but même de pour moi-même. J'ai prié pour les frères. Mais quand je suis rentrée dans ce programme, pendant la veillée qu'on avait eue, on a prié pour chaque personne qui était malade. Et les frères qui ont prié pour moi, je les ai donné ce sujet. Ils ont prié pour moi. Mais avant ça, quand les frères rendaient témoignage pendant ce programme, le Seigneur a mis dans mon cœur, j'ai entendu une voix qui me dit, tu entends, les frères, ils ont parti à l'hôpital, on les a donné des médicaments, ils sont guéris. C'est vrai que le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Que la première part pour ta guérison, c'est de partir à l'hôpital. Que 27 peurs va à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai décidé que je vais vaincre cette peur pour aller à l'hôpital. Et le lendemain, quand je suis revenue à la veillée, pour ne pas que le diable vienne mettre les choses encore dans ma tête, à 8 heures par là, j'ai écrit et j'ai envoyé un message à la sœur Caro pour lui dire que je voulais la voir. Et elle m'a donné rendez-vous. Quand je suis partie à l'hôpital, tellement que le père est revenu encore, en tout cas, je savais que le résultat sera le même. Mais pour ma grande surprise, quand les résultats sont sortis, elle regardait les résultats, les deux autres résultats et le résultat de cette année. Elle m'a demandé si on ne m'a pas donné des médicaments. Je lui ai dit, ah, ce que je sais, on ne m'a pas donné de médicaments pour ce problème. Je lui ai montré les médicaments qu'on m'avait prescrit. Et quand elle a regardé, elle m'a demandé encore, tu es sûr qu'on ne m'a pas donné un médicament? J'ai dit non, c'est tout ce que j'ai pris. Et elle a regardé les résultats encore. Et puis après, elle me dit, ton ECG bouge beaucoup, que toutes les anomalies ont disparu. J'ai dit quoi? Je lui ai dit quoi? Elle a dit oui. Elle a commencé à m'expliquer. En tout cas, je ne comprenais pas, mais
Elle a expliqué pour me montrer les trois différents résultats. Et quand elle expliquait, je lui ai dit, c'est Carole, c'est Dieu. Parce que je n'ai rien fait, je n'ai rien pris. J'ai prié seulement et je lui ai expliqué comment ça s'est passé, comment Dieu m'a parlé de venir à l'hôpital. Il dit, c'est comme si Dieu voulait que je vienne à l'hôpital pour confirmer ce qu'il avait déjà fait. Et après ça, elle m'a demandé de faire un autre examen pour fermer le dossier. Et une semaine après, je suis partie à l'hôpital. On a fait une échographie du cœur pour bien regarder, pour voir si les parties qui avaient grossi sont devenues normales. Et tout était normal. Et tout acclamons était normal. Pour Jésus-Christ. Tout est devenu normal. Jusqu'au point, quand je partais, les filles qui sont à la réceptionniste me demandaient, elle a donné rendez-vous pour quand? Et elle m'a rien dit. Elle dit, mais tu attends pourquoi? Et elle m'a dit de l'attendre. Et quand je sortais, elle-même a demandé à elle encore que son prochain rendez-vous c'est quand? Et puis elle a répondu, mais elle va venir faire quoi ici? Qu'elle va bien. Je vais bénir le nom du Seigneur pour ce qu'elle a fait dans ma vie. Et je me porte très bien. Que son nom soit béni. Amen. Jésus-Christ.